accompagne le champagne en apéritif, les feuilletés avec beignets de crevettes à tremper dans la sauce cocktail, sablé parmesan concassé de tomates, popcorn curry et feuilleté et bulot. Merci. Merci. Nous avons pour débuter les amuse-bouches avec d'un côté un acras de poisson mayonnaise wasabi et de l'autre un velouté potimarron parmesan et son stick parmesan curry. Pain, soupe de poisson, beurre de cacahuète, céréales, petite nouveauté, pain donc saucisse fumée et morgon et de l'autre côté betterave. Saint-Jacques, Saint-Jacques de la Baie, bien sûr, accompagné d'une émulsion ail éteint, l'arc au latin, et le tout sur une mousseline et petits pois carottes. Et bonne dégustation. Vous avez donc un foie gras chocolé avec une super patate douce, et je verse un bouillon de champignons. Bonne dégustation. On est sur du pommard breton, rôti au beurre salé, avec un risotto des îles, pommes Granny Smith, émulsion lait, coco curry. Et la petite feuille d'huître Mertensia maritima que vous connaissez. On est sur une caille rôtie, caille de chèvre infirmière rôtie avec des petits cannellonis de courge noix de beurre, cèpe. Et de l'autre côté, on va partir sur une barre cuite à basse température, une fume de céleri, condiments iodés, pétales jus de Bruxelles, puis chips de pommes. Donc le soufflé citron, citron confit et glace chocolat blanc. Donc vous connaissez le principe. Non, je suis blonde, je ne sais pas. On procède à une incision pour faire un chauffe-froid avec la glace chocolat blanc. Qui va donc descendre toute seule normalement. Et bonne continuation. L'entremets exotique avec sponge cake, ananas au poêlé au caramel de blanc salé, sorbet exotique et panna cotta au milieu. Le cheesecake litchi framboise, donc comme une norvégienne. Alors pourquoi comme une norvégienne? Tout simplement parce qu'on va faire flamber tout ça au grand marnier. Attention à la caméra cette fois-ci. Attention parce que c'est tellement une grosse flamme. Voilà. C'est vrai que c'est un dessert qui est un peu plus intéressant en sorte parce qu'on a un peu plus de la flamme. Là, on ne le voit pas trop. Mais le goût est toujours là. Tube garni d'une glace de coco et de sa mousse douchée, qui est donc une mousse au chocolat blond. Le carrément sneakers, donc entre mes caramels de beurre salé et chocolat avec glace cacahuète. Les mignardises avec moelleux au chocolat. Également nos pâtes de fruits et guimauve. Je vous laisse par contre les goûter et après. On verra si vous avez reconnu les goûts, bien sûr. C'est très bien. C'est vraiment.